Imaginez une seconde que Le Havre soit mis en vente. Et aux enchères. La littérature, l'architecture, la musique, la peinture, la lumière. Mais c'est pas possible. Eh ben si. C'est aujourd'hui que Le Havre est mis en vente. Le Havre, son climat, sa lumière. Ça pue et c'est grisaille. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je déclare ouvertes les enchères. Et je vous préviens, ça peut monter très haut. Bon, moi, j'attends de voir. Le Havre, c'est la mer. Le Havre, c'est les voyages, l'aventure au bout du quai, le choc des cultures, le melting pot à la française. Il est rôle. Et toutes les célébrités qui ont aimé la ville, qui l'ont peinte, qui l'ont chantée, en un mot, ce qu'elle a inspiré, j'ai nommé les artistes. Les quoi ? Il a raison, les artistes. Ah ouais, et qui par exemple ? Monet. Monsieur a parfaitement raison. C'est au Havre que Claude Monet a commencé à peindre. Lumière, mon petit, lumière. Avec cette œuvre, Claude Monet réinvente la lumière. Assis devant ! Oh, pardon. C'est la naissance de l'impressionnisme. D'aucuns y verront aussi la naissance de l'art moderne. Et dis donc, c'est le bassin du commerce, on dirait. T'es sûr ? Je vois pas la passerelle. Oui, mais c'était bien avant. L'aube n'a pas lieu du côté maritime. Derrière la gare, où niche le coq du réveil, l'aube apporte toujours un glacis de charbon. Le soleil ne se couche pas vers les entrepôts et les docks. Il préfère la courbe magistrale de l'horizon, verte ou bleue, et parfois violette, ou même noire. T'avais vu toutes ces couleurs, toi ? Moi ? Ben oui, mais dis, faut dire que je suis équipé, hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Claude Monet, Eugène Boudin, Raoul Dufy, Otton Friez, Georges Braque, Jean Dubuffet, plus les innombrables peintres de marine. Allons vite, une première évaluation. La peinture, y a pas que ça. Oh là là, quoi encore ? Vous allez pas nous en faire un roman ? Un roman, mais précisément. Et Queneau, et Miller, et Céline. Et Macorlan. C'est la croix. Et ça. Et Maupassant. Et Gide. Mesdames et messieurs, un peu d'ordre, je vous en prie. Procédons par l'eau, voulez-vous ? Oh non, pas de ça. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Il y a aussi la musique, Arthur Honegger, André Caplet. Et petit Bob. Et le cinéma. Je sais. Georges Méliès, 1896. Le chien andalou, l'Atalante, la bête humaine, Quai des Brumes. Ah, Quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Mesdames et messieurs, une première offre. Je vois un monsieur à ma gauche. 1517 francs, qui dit mieux ? Mais non, 1517, la naissance de la ville. 1787 ? Oh yes, Paul et Virginie, la naissance du romantisme. 1923, Arthur Honegger compose Pacifique 231. 1938, une double année pour la ville. Jean-Paul Sartre publie La Nausée et sur les écrans paraît Quai des Brumes. Ah oui, Quai des Brumes. La personnalité des petits bars de Saint-François, le côté faubourg de ville britannique. L'appel de l'aventure dans l'odeur du pétrole et du café, avec Macorlan, Carnet, Prévert. Le Havre, carrefour des destinées, ce port où tout peut arriver. 1938, c'est vieux ça, et aujourd'hui, et l'an 2000. Disparus les vieux quartiers d'avant-guerre, l'ère des paquebots et des longues escales, aujourd'hui une architecture de l'espace, une nouvelle poésie.
Paillet, Autois, Gosselin, Alberola, Clément, Soligny, Amoyal. Ils apportent au Havre de nouvelles signatures.